Activision présente un tourbillon prêt à tout casser. Développé par Vicarious Visions. Voici Crash Bandicoot. Je crois que j'ai oublié un truc. Ce que je pensais. Voici Crash Bandicoot. Voilà. Voici Crash Bandicoot. Salut tout le monde. Mais, docteur Cortex, nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs. Imbécile! Ce Bandicoot sera mon général, et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde! Cette fois, je vais régner en maître! Nous sommes plus près du but que jamais! Vite! Dans le vortex!
Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec. Capturez-le. Préparez la femelle, Bodycoot. Franchement, je me rappelais pas de ça dans les anciens. Après, c'est un remake, hein, c'est normal. Ok. Voir comment on pète les caisses en session dessus, mais peut-être pas pour maintenant. Ok, bon. Voilà. Faire de double swan. Il semblait qu'on pouvait le faire sur le ancien, je suis pas sûr. Au moins il fallait un truc spécial ou je sais pas. Bref. On va faire ça. Ah putain, à chaque fois faut bien quelque chose en fait. Je vais prendre gauche. Ah, on va aller dans le décor. Ah mais ça faut reculer en arrière. Sur Carnage, ah non, c'est pas ce que je pensais alors. Qu'est-ce que j'ai pu manquer? Ah, shoot. Ah, il y a les cases invisibles. Ah, shoot. J'ai essayé de passer de l'autre sens là. Je sais pas si ça fonctionnera. Ah, de toute façon, je vais en manquer hein, des trucs, c'est sûr.
Ah, shit. Putain, je pense pour le choper et revenir maintenant. What? C'est un tourbillon de coups. Ok. Au pire, je sais pas des allers-retours. Au pire, je serais seul, moi, je suis même plus cette fois. C'est qu'on a Rocket 4 boîtes alors. Je pense que ça donne de plus en toutes les fermes. De toute façon, ça me prendrait beaucoup plus de temps si je le faisais en ayant tout de A à Z. Ok, il y avait aussi un diamant et un truc là. Ah, génial. Jamais j'ai vu une tête cachée. Oh, ça va donner quoi ça? Chargement bonus. Le bâtard.
Ah, je me rappelle de ce niveau. Ça a vraiment bien été refoutu. Ah merde, il fallait attendre pour aller là. Oh shit. Les bâtards. Ça c'est risqué. Ah shit. Ah j'aurais dû avancer, mais de rester sur place. Oh, merde. Et je croyais que c'était une vraie case. Ah, oh, mais non, abusé. Vas-y, je suis obligé d'attendre. Faut pas rush. Oh putain, 20 boîtes carrément. Ça, je sens bien le petit rush à cause d'une boule ou autre. Je sais plus ce que c'est, mais il y a pas mal sur ce jeu. Et voilà. De toute façon, tout le niveau il sera comme ça. Donc il y a vraiment un diamant et un genre de clé à chaque niveau. Ça va être compliqué. Bon après je crois que c'est pas nécessaire pour avancer tout le long du jeu, donc c'est pas très grave.
puisse juste vérifier un truc juste entre deux. Parce que bon, ça arrive des fois qu'il y ait des problèmes. Ça va être ok. Au-dessus et en dessous. Bizarre. Il semble qu'il n'y avait pas ça dans le premier. De toute façon, je vais bien voir ce que ça donne. Ah, boss. Ok. Je peux aller en arrière. What? Machine temporelle de coco. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord. C'est intéressant ça, parce qu'avant ça y était pas dans les anciens, je crois qu'on pouvait pas la jouer. Après je sais pas si ça apporte de plus de changer de perso. What? Ah, je l'avais pas vu le trou, putain. Ah, je fais chier. Ah bah du coup ça se mange pas par la récup. À moins que... Oh là là. C'est magique. Et ça fait péter la boîte, évidemment, j'ai oublié ces détails. Non. Ah shit. Et puis ouais. Chacun pour voir. Shit.
plus, je pense. Ouais. Ah putain. Ça, j'ai glissé. C'est comme le truc qui pouvait tomber. J'étais pas sûr. Ah putain, ils sont sérieux là. Enfin. Ah ben non, c'est peut-être... J'allais dire. Ah, forcément, on n'a pas loupé. Ah, c'est parce que je fais pas l'aller-retour, hein. C'est pour ça. Il y a sûrement aussi des petits passages secrets ou quoi. Je me casse pas trop la tête. Oh putain! Je ne parlais pas de ça moi dans l'ancien. Ah merde! Ah shit! On peut pas les défoncer les mecs au bouclier! Ah! Faut sauter aussi sur le tambour, ok. Faut le défoncer, bon. Ah ouais, ben bah d'accord. Vraiment, c'était au bon moment. Ah, casse les burnes. Trop d'obstacles. Ah, casse les burnes. Je perds toutes mes vies là-dessus. Ah putain. J'ai l'impression que cette caisse il faut que je l'abandonne. Ah pas pire, c'est une fine caisse à moi. Ah putain, la forêt quoi. Non. Ah. C'est toujours le même hein, qui me défonce. Casse-toi. Moi je me suis dit c'est bon, faut que je saute, non en fait.
fallait que je reste en bas. Quel con. Il faut que je saute. Ah, c'était obligé. Non. Putain. Attends, faut que je passe sur la droite, je crois. Pour le dernier. Je suis pas sûr. On va passer à droite des fois. L'autre, ça sera en dessous. Et dernière droite, voilà. Enfin, une boîte. En fait, c'est celle que j'ai esquivée pour pas crever. Les enfoirés. Eh merde, j'ai encore oublié ce truc là où moi. Je dirais que c'est le même niveau. Peut-être que je me trompe. Elle est un petit peu différent, je crois. Parce que celui-là était pas à gauche, il était à droite. Ah shit. Ah putain. Oh putain. Oh ça va être pas de temps. C'était trop. Oh, tu te dis con, la flamme était pas allumée encore. Quoi? Ah, tu sais, avec le bout de sa cul, c'est sérieux. Oh putain. Ah lui il va me péter les burnes. Oh shit. Oh non. Je peux pas faire ça. Thank you.
quand même. Ah non, pétain. Là, c'est une galère, pas possible. Parce qu'il faut bien doser. Ah, shit. J'arrive pas. Dès qu'il y en a une à sauter. Heureusement qu'on peut pas perdre des vies comme ça. Ce serait vraiment cool. Ah, casse les burnes. Ah, je suis obligé de perdre. De la hauteur. Chaque fois hein, que j'essaie de repasser sur la question, chaque fois je me fais chaque fois. Truc de ouf. Mais sur ma gueule là, il veut pas sauter assez haut. C'est vraiment chiant. Par contre, il y a un dosage entre le petit saut et le grand saut. J'aurais même une touche. Ah putain, il se fout de ma gueule. Reste là comme c'est. Ah putain. Shit. Ah, ça me casse les couilles là, le truc qui se retourne à chaque fois. Je suis obligé de recommencer de tout en bas. Putain, non! Mais c'est l'express, c'est pas possible. Casse les couilles. Ah non, mais tu te fous pas un peu de ma gueule. Et
tellement pas de place sur le bloc à chaque fois. Sur le mur de fait que. Putain, j'aurais pu la taper. À chaque fois, je me fais avoir. Je tape une torture qu'il faut la garder pour ça. Tant pis. Non! Oh le bâtard! T'as fait me tuer, toi. What? C'est passé quoi? Je fais piquer peut-être. Oh mais non, abusé. Voici ma mandrine. Eh, hey, éteins-toi. Ah sérieux là, il s'allume deux fois d'affilée. Faut pas un peu de ma gueule. Oh le bâtard. Il va aussi me foutre dans les flammes, c'est pas vrai. Oh non, à la pointe. Ouais vas-y, ça me coupe, ça me suit déjà, mais ça me gave de ouf. T'es à spousser une vie, faut que j'arrête de faire trop con. Allez. Je fasse gaffe. Elle va crever hein. Éteins toi ces âmes. Là je suis normalement sur rien, mais là. Genre il me chopait le mec. Le mec la plante plutôt. Ah dommage, j'ai jeté une vie. C'était totalement voulu. Oui oui, c'était totalement voulu d'éjecter une vie. Elle est bizarre la statue. Je dirais qu'elle est en train de m'observer. Non! Allez, bâtard! Putain! Ça allume trop vite! Ah, vas-y! Bon, va falloir que je patiente parce que je suis pas patient et. Donc ça m'a mené à la perte.
faut vraiment y aller à la microseconde près, quoi. De pommes. Ah putain. Non mais... Ah, je déteste ce passage là à chaque fois. Quand c'est pas fun comme ça, franchement, je déteste. Je crois qu'il y a ça tout le long du jeu, c'est le pire. J'essaie de tout récupérer, mais c'est compliqué. Oh. Ça, c'était de la luck. Non. Bon, mais j'ai pas réussi à récupérer la dernière pomme. Pas grave, puis je pense que je vais la laisser. Attends, c'est quoi le truc qui est pas idéal? Le truc pour aller en fond. C'est le niveau du début. Ah ouais. Bon bah changer un peu, on va prendre la fille. Pourquoi je crois que ça s'appelle. Parce que ça va devenir. Ah, Lucie a fait ça, d'accord. Ah, c'est la même chose mais version finie quoi.
pas. Mais Joel est pas mort. C'était quoi ce bordel? Attends, c'est un spécial placard pour ça ou quoi? D'accord, en fait quand il est en roulade, il est MSU, mais c'est pour ça. Ah, fais chier. Mais vas-y, ferme-toi. Ah, je crois que c'est la sienne que quand je suis dedans. Ah, casse les biens, je suis la merde. Ça, ça, y'a quoi sérieusement? Je suis pas attrapé au pire. Quoi? Cette potion qui m'a buté. J'ai pas fait gaffe quoi. J'ai dit tiens, quand tu vas je peux y aller. Hein. Il m'a manqué qu'une, c'est dommage. Ah shit. Non. Oh putain c'est boss ça. Ah je peux pas échanger.
Ah, en fait, je peux changer quand je veux, ok. Sauf sur le boss, ok. Alors, je sais pas du tout comment le buter, lui. Ah, le bâtard. Putain, je pensais l'avoir à TNT. Ah, sérieux, 10 mètres près quoi. Ah, celle qui change son. Jusqu'au dernier truc là. Ah le bâtard. Ah c'est pas si bien. C'est tellement hasardeux. Ouais ok. Ah c'est que sur trois trucs en fait. J'ai oublié qu'il saute ici. Après, je suppose que ça change une fois qu'il s'est pété la gueule, mais. Attention, est-ce qu'il a sauté? Merde, putain, quel con. Ok, maintenant il fait la même chose mais inverse. Enfin, en tout cas, sur sa deuxième barre. J'ai oublié qui il est là. Ah le bâtard. Il va faire l'inverse. Oh, mais c'est qu'il fait pas l'inverse. Ah oui, non, ok. Oh putain. Complètement zappé. Ah, je sais pas combien de vie il me reste. Deux. Oh putain, c'est la merde. Quoi? Oh, mais c'est quoi ce délire? Maintenant il est aussi là. Il me semblait qu'il partait en flèche, non? Comment ça? Ah, bah, ok. Putain, à chaque fois, je suis nul. Ouais, prends-toi ça. Bah, écoute. Ah, fais chier. Je tombe dans l'eau là à chaque fois. Là je suis juste à cause de ça, sérieux. J'espère que c'est pas un game over définitif à recommencer de zéro. Ah
J'essaye de pas aller. Ok. Ok, y a pas ici. Ici en fait c'est ultra safe. On trouve. Où est-ce qu'il a pris les TNT, c'est chaud. Alors que je réfléchis, il fait un losange, donc où est-ce que je peux faire péter la TNT sans crever? Juste en haut peut-être. Il faut déjà que j'aille jusqu'en haut. Ah shit, putain, non! Ah. De partie. Oui, c'est ça, bien sûr. Fin de partie dans tes rêves. Ah, c'est bon, je recommence le boss. Ah, à mon avis, j'ai plus autant vu qu'avant. Merde, au début il va ici, d'accord, j'ai oublié. Faut que je fasse péter de la TNT juste ici. Ah shit, putain, à chaque fois que je tombe dans l'eau au lieu d'aller sur la TNT, ça m'énerve. Sure, il m'a touché, non mais... Casse les couilles. Ah, j'ai oublié de finir, putain. Ah, mais on peut se mettre là. Oh putain, mais faut le savoir, ça aussi. Oh là là là.
Ah putain. Vraiment ça me saoule, hein. La TNT qui est dans l'eau là, je peux vraiment pas la toucher à moins de tomber, ça me casse les gants. Faut vraiment être ultra apprécié avec le champion. Mais comment je peux tomber sérieusement? Je fais un tout petit saut exprès pour éviter justement de tomber dans l'eau. C'est n'importe quoi. Ah putain mais... Et il vient que quand tu veux sortir ce coup. C'est un truc de fou. Il est plus rapide ou je me trompe là? Mais crève putain. Ah, où est-ce que tu as maintenant? Ah oui, le zin chéri. Comment je peux les faire péter sans me faire créer? Là, c'est pour être la bonne occasion. Ah putain, faut que je le fasse bien plus tôt en fait. Putain! À chaque fois, c'est de plus en plus tôt, c'est bizarre. Allez, oui, cher. On fait le débat, c'est tout taré. Et j'étais un... Pour un deuxième boss, il était casse-couille. Putain de douce. Pourquoi patate douce? Et salut Sinimodo. Après je l'ai peut-être vu un peu tard hein, le message sur le chat donc ouais, mais si je suis tellement concentré pour pas crever que je vois comment où je finis le niveau quoi. Après j'ai peut-être enchaîné le niveau sans le regarder non plus, donc c'est impossible. C'est pas un trou là. Ok. On peut pas passer. Chasseur, tout ça. Je
Fais chier, y'a un truc qui m'a bloqué là. Je sais pas si c'était une dalle ou quoi. Ah, ça va tomber ça. Ah d'accord, je peux pas te sauter dessus, tu fous pas ma gueule. Il a fallu juste me déchirer pour pouvoir choper les trucs là. Je le verrai plus tard. On peut pas aller là derrière. Fake. Ah si on peut. J'ai réussi à rebondir sur TNT, fait chier. On peut recommencer? Ah d'accord. La blague. Mais... D'accord. D'ailleurs j'ai réussi à le faire en one shot là, je galère pour le faire en coup. Évidemment. Genre, c'est un glitch ou quoi? Ici, à mon avis, fait chier. Je vais essayer hein, parce qu'il y a des vies gratuites dessus donc. Filer l'accès du dessus. Je sais pas trop comment je vais faire. Bon, au pire, c'est pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Bon, au pire, je n'ai accès hein, parce que ça va me casser bien hein, et je perds de la vie pour rien. Oh, oh c'est quoi cette merde? Oh, allez, fallait qu'il me saute dessus quoi.
Je vais faire la tupi, mais non. Il attend vraiment ce bâtard, c'est le pire. Pile quand je suis allé dessus, truc de ouf, c'est fait exprès. Hein. Allez. Très lentement, sinon je vais me faire choper. Ah putain, un millimètre couille, un millimètre près, je l'avais. Fin de partie. Ouais, on s'en fout, allez. Il est déjà 14h. Pas vite. Ça, on peut pas désactiver. Ah, c'est pour ça en fait la caisse qu'il y avait au fond. C'est le truc que j'arrive pas à faire depuis tard, donc pas la peine. Non, mais le truc qui m'a poussé, ouais, c'est quoi ce délire? Tout à l'heure, ça me faisait pas ça, mais c'est n'importe quoi aux yeux. Oh là là, mais je meurs de toutes les façons possibles, ça me casse vraiment les burnes. Vas-y, je m'en pas les steaks de vos trucs volants, c'est bon. Allez, sorte comme par hasard quand j'arrive.
Ah. Shit. Ah, carrément, qu'est-ce que c'est ici? Comment il a pu me pousser, sérieusement? Vas-y, stickage next. Bah les couilles de tout maintenant, allez. Pas qu'il perde du temps sur des trucs comme ça. Maintenant. Non. Je fais faire la connerie. Ok, ils y vont même pas, je crois. Je peux pas le buter, tu te fais ma gueule. Ah d'accord, merde, j'aurais dû peut-être le garder pour ça, bon c'est pas grave. Balek. Ah fais chier. C'est soit j'essaie de buter le lézard et je me fais buter par le chauve-souris, soit c'est le lézard qui me bute si je bute pas le lézard. Ça va être casse-viande encore. On le referme. Ah voilà. Je bute à ce moment-là. Ah shit, faut aller jusqu'au bord. Hein? Comment ça, il fait du 360 de bordel? What the fuck? Ok. Ah, faut vite ressauter derrière. Ah, j'ai oublié que on peut pas. Dans le tourbillon et on le tue. Ah ça, ça a l'air quand même un peu plus hard que les anciens. Attends, tu restes là, Black. Réussi. What the fuck? Non.
Il m'a fait pas mal de pommes ce coup. Par contre, c'est tellement réaliste aussi au niveau des dalles là que tu peux te faire bloquer par cette merde. Succès pour le faire skip. Après les mêmes cinématiques que dans le premier, les baskets en l'air quand tu tombes. Tu failles tomber quoi. Mais c'est pas possible. T'as le changement de vue hyper sûrement quand même. C'est peut-être pour ça que c'est plus difficile. Oh putain, mais j'ai glissé, t'es sérieux? Oh oui, on s'en fout de... Allez, vas-y. Allez. Et du coup... De toute façon, j'étais pas loin dans le niveau, donc c'est pas grave. Oh là là, mais comment je peux rater ça, sérieux? Allez, genre la flèche elle est déjà sortie, mais je ne la prends pas. D'accord. Très logique, si je... Ça m'énerve vraiment à la nouvelle vue qu'ils ont foutu, parce qu'à chaque fois t'as l'impression que t'es dessus, mais finalement non.